Salut à tous, ici Nozman, j'espère que vous allez bien. On est sur l'île de Yakushima au Japon. C'est une île vraiment très mystérieuse. Au milieu de cette île se trouve un des arbres les plus vieux du monde. Et notre but, ça va être d'aller à sa rencontre, de le découvrir et d'expliquer pourquoi il est si vieux, pourquoi il tient aussi longtemps. Il y a plein d'autres trucs qui sont hyper intéressants sur cette île, comme son écosystème qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est complètement incroyable. Et donc on va essayer de découvrir tout ça. On va faire un long trek jusqu'à ce fameux arbre millénaire. Ça va être incroyable, on y va. Cette vidéo aujourd'hui est réalisée en collaboration avec Revolut, donc merci à eux, c'est grâce à eux si on peut faire cette expédition. Revolut, c'est une banque en ligne hyper pratique. Là, je suis donc à Tokyo, dans le café de mon ami Shimon, et tu peux payer évidemment sans contact. C'est un peu embêtant de se prendre des frais à chaque paiement un peu par-ci par-là. Ici, avec ce service, il n'y en a aucun, et ça c'est cool. C'est une banque en ligne totalement gratuite, simple à utiliser, et faire un compte, ça prend même pas 5 minutes. L'avantage de Revolut, c'est vraiment d'avoir accès à l'un des meilleurs taux de change possibles. Donc, t'as juste à changer tes euros pour la devise dont t'as besoin directement dans l'application. Ou alors, tu peux aussi directement utiliser ta carte. Et Revolut fera la conversion directement à l'un des meilleurs taux possibles. Il y a tout un système de cashback sur différentes marques, donc ça peut être pratique pour faire des économies. Tu peux choisir évidemment différentes options de cartes. À titre perso, j'ai pris la carte métallique sur laquelle tu peux graver des trucs, des emojis, des dessins, enfin ce que tu veux en fait. Alors moi, comme je suis pas très marrant, j'ai gravé juste mon nom finalement, mais tu peux même dessiner tes propres trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger et à vous inscrire sur Revolut gratuitement avec mon lien qui est juste ici pour obtenir 20 euros. Et en plus, l'un de vous sera tiré au sort pour gagner 1000 euros. Petite précision, tu peux évidemment payer sans contact ou avec ton code comme une carte classique. Là, en ce moment, je suis à Tokyo, donc c'est trop bien. Ok, il est 5h30, on s'apprête à prendre un bus pour aller au début du trek pour aller jusqu'au Jumonsugi et on a rencontré Yuki-san qui sera notre guide et qui va nous aider à aller jusque là-bas. Yuki-san, yoroshiku negaishimasu. Yoroshiku negaishimasu. So, you will be our guide? Yes, I do. Nice. Thank you to bring us over there. Merci. Will it be like a tough hike? Mm-hmm. Like how long will it take? Maybe a halfway. 6 to 7 hours. So halfway is like go to Jumonsugi. Mm-hmm. Donc il y a 11 km pour aller jusqu'au Jumonsugi, à peu près 6 à 7 heures, et ensuite on va dormir là-bas et revenir ici demain matin. So, totemo tanoshimi desu. Yes. Là, le décalage horaire, il me tabasse, mais d'une façon comme il m'a jamais tabassé, je sais pas pourquoi. Et je dors de moins en moins en fait. Genre la première nuit, j'ai dormi 4 heures. La deuxième nuit, j'ai dormi 2 heures. Et là, cette nuit, j'avais absolument envie de dormir parce que je crevais. Et de 20h30 à 4h30, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et là, on doit se taper un putain de trek de 7 heures. Je sais pas comment je vais faire. So 8 kilometers, 2 kilometers. It's about. It is altitude. The Jumonsugi, 1300 meters. C'est parti, on est en plein dedans, on a démarré le trek. Ça m'a reboosté à fond, même si j'étais fatigué, c'est trop bien. On commence à voir des paysages qui sont magnifiques avec cette méga rivière qui court comme ça jusque là-bas. Et le pont, vraiment, là c'est ouf là. Yuki-san, 質問があります。はい。この山の中にどうしてレールがありますか？およそ100年くらい前にレールが作られたんですけれども、山で伐採した木を運搬する目的で作られました。うん。今でも木を切っていますか？で、2001年の3月以降は屋久杉の伐採は禁止されていて、今ではこの山の中では木は切ってません。今は使われていますか？はい、使われてます。今は登山道の整備やトイレの資料運搬でたまに動いてます。J'adore. これはJ'adore ça. Kind of moss. In English, sandy.Oh, yeah, 日本語ではモウセンゴケ It's dissolve and feeds insects Yeah It's one of my goal in life to see that in the real place, original place Being able to seeing that here is like incredible for me Donc ouais, il y a des plantes carnivores du coup ici qui poussent sur les rochers comme on peut le voir Le climat est parfait pour ce genre d'espèces
qui ont besoin d'une humidité vraiment hyper puissante. Et là, on voit cette roche, probablement du granit, parce que c'est le granit, c'est ce qui recouvre à 70% l'île de Yakushima, avec ces plantes carnivores qui poussent dessus, sur de la mousse, et il y a continuellement, comme on peut le voir, de l'eau qui coule et qui permet à ces plantes carnivores de prospérer comme ça. C'est magnifique. J'adore. Found only in Japan, in Yakushima. Ok, so really rare. Yes. Donc c'est un autre truc très intéressant sur cette île, c'est qu'elle contient en fait toute la végétation du Japon. Et cette mousse-là, elle est spécifiquement trouvable ici à Yakushima, nulle part ailleurs. Il y en a peut-être a priori à Bornéo, mais c'est tout. Et donc elle est là, elle est magnifique. Et c'est très rare du coup de pouvoir la voir. C'est trop cool. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que là il est 7h du mat. Hein. On nous a préparé un bento, mais juste en train de retilter ça, c'est qu'on a toujours pas mangé en fait. Et j'ai hyper faim. Je suis trop heureux d'être là. Et genre, je sens plus trop que je suis fatigué. Donc c'est vraiment nice. Donc voilà, on vient d'arriver devant le premier Yakusugi. Donc c'est la première fois qu'on en rencontre un. Et juste ici, il est gros. Et donc c'est un cèdre qui a plus de 1000 ans. C'est vraiment trop cool. Yakushima est connu pour plusieurs trucs. C'est l'endroit au monde où il pleut le plus, qui contribue aussi au fait qu'il y ait une végétation luxuriante. Son sol particulier qui fait que les arbres peuvent vivre des milliers d'années. Mais cette île est aussi hyper connue pour ses paysages, et notamment des paysages qui ont inspiré les films Ghibli. Et là, en fait, cette île, elle est aussi super connue pour les paysages qui peuvent faire penser au film Princesse Mononoke. Et là, c'est typiquement ce genre de paysage avec les cascades qui ruissellent sur le granit de Yakushima. C'est magnifique, on est en plein dedans, il y a la mousse luxuriante, c'est trop stylé. Et là, il y a un autre Yakusugi, et il est probablement plus jeune. Et c'est marrant parce que là, on peut voir de cet angle-là que c'est peut-être difficile de les dater pour pouvoir voir l'âge qu'ils ont, parce que la manière la plus efficace, c'est de couper l'arbre et de venir lire le nombre de stries. Alors, il y a d'autres personnes qui suggèrent de faire des carottes, donc venir prendre vraiment une lamelle à l'intérieur, comme ça, avec un outil spécifique pour pouvoir compter les stries. Mais je crois qu'avec les Yakusugi, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc, la datation au carbone 14 est un peu plus appropriée. Il y a eu une datation au carbone 14 pour le Jumonsugi qu'on va aller voir dans les années 1980, qui ont permis de dater le fait qu'il a à peu près 2170 ans. Mais pour l'instant, rien n'est certain de son âge précis au Jumonsugi. Là, c'est les singes de Yakushima. Ça s'appelle des saru. Saru, ça veut dire singe en japonais. Le guide nous disait qu'il y avait 50% de chances de les voir, un petit peu comme les loups à Briançon. Sauf que là, on en voit plein depuis le début, donc c'est génial. On peut vraiment voir donc la végétation luxuriante de l'île, et puis aussi sa faune en fait, qui est vraiment bien. Il y a des singes, des cerfs. C'est trop bien de pouvoir les voir. Ils sont là, ils sont pas farouches du tout. Au début, les humains étaient tentés de les nourrir, sauf que maintenant c'est complètement interdit. Donc en fait, ils sont pas méchants. Ils sont pas là à venir vers nous pour essayer de quémander de la nourriture ou quelque chose, parce que du coup, ils sont plus habitués à ça. Et c'est génial. Et c'est vraiment le mot d'ordre de cette île, c'est laisser les choses en état. Et ça marche super bien. Donc c'est un bel exemple, je trouve, et c'est génial. La clé du succès pour qu'un arbre puisse vivre longtemps, c'est qu'il vive vraiment progressivement, qu'il ait une croissance un peu lente. Donc il y a dans un premier temps le sol en granit, pauvre en nutriments. Ça va faire en sorte qu'il puisse avoir un développement vraiment lent et qu'il puisse vivre des centaines d'années, voire des milliers d'années pour la plupart. Et en fait, le guide nous a passé un échantillon de l'huile qu'on peut trouver à l'intérieur d'un Yakusugi. Donc là, on a un bois de cèdre justement. Tu mets un petit échantillon dessus. Et en fait, tu peux sentir l'odeur de la sève, de l'huile. Et c'est assez fort, c'est assez robuste. En fait, ils ont fait des comparaisons vraiment chimiques avec la sève d'autres arbres plus classiques. La composition moléculaire même de la sève est totalement différente de celle d'un Yakusugi ou d'un autre arbre ici. Et si on sentait l'odeur de la sève d'un autre arbre, elle serait beaucoup moins forte. Donc vraiment, Yakushima possède toutes les clés pour faire en sorte que les arbres puissent vivre longtemps, à savoir un sol pauvre en nutriments et qui va donc générer une sève dans les arbres qui va permettre de vivre plus longtemps et de grandir très 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 lentement. Thank you.
Ok, à partir de maintenant, ça va être beaucoup plus dur. On rentre dans la partie où il n'y a plus les rails. Et ça pendant environ 3 heures, peut-être 4. Et donc voilà. Là, il y a un autre Yakusugi, mais bon, celui-là, il est mort et il est tombé. Et j'ai l'impression qu'à mesure qu'on monte dans l'île, parce que là, on est vraiment dans la partie où on monte de plus en plus, et ben, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de Yakusugi. En fait, à Yakushima, il y a une verticalisation de la végétalisation qui fait qu'au sommet, il peut y avoir carrément de la neige en hiver. Alors que là, maintenant, on est en été. Il fait hyper humide et hyper chaud, un climat vraiment de jungle. Ça, c'est une caractéristique vraiment intéressante de l'île. Elle a un climat très, très particulier. On va continuer de monter maintenant. C'est trop beau, tout est rempli de mousse, tout est clean, nickel, c'est trop beau. Ce qui arrive, c'est pas du joli. Là, il y a un max d'escaliers. Ah, mais les escaliers, ça tabasse. Hein. Ça va, ils sont petits. Donc là, on est dans la partie apparemment la plus difficile. On est à 1h30 du Jumon Tsugi. Et vraiment, ça se mérite. On monte petit à petit en altitude. On va arriver à 1300 mètres et ça tue, ouais. Ah, ça y est. D'ailleurs, la dimension est de 21%. Donc là, on s'apprête à rentrer dans la zone justement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993. Je pense vraiment qu'il y a un bel exemple à prendre en termes de préservation de l'environnement. Vis-à-vis de comment la population traite cette île, pas de déchets, le respect de la nature, tout est propre, tout est clean et tout le monde joue le jeu en fait. Tous les animaux qu'on a pu rencontrer aussi, ils sont là, ils n'ont pas peur de nous, ils font leur vie parce qu'encore une fois, les humains bah, leur donnent pas à manger, il y a un traitement vraiment qui est sain et voilà, ça roule. Et je pense que ouais, niveau écologie, niveau environnement, ce serait bien qu'on se mette tous à faire ça partout dans le monde et dans nos villes et dans les villages et partout quoi. いや、今も集落に住んでいる人がいますか?いや、今は村は閉村して集落には誰も住んでません。どうして集落がなくなりましたか?主に3つ理由があって、1つは木を切りすぎてなくなってきた。もう1つはその頃からアメリカの木材の輸入が始まって、特産材の需要が落ちてきた。 Ok, donc là on vient d'arriver au Daiyosugi, donc c'est un arbre gigantesque. Je pense que j'ai jamais vu d'arbre aussi gros que ça. Celui-là pour le coup il a été daté au carbone 14, donc la technique qui permet vraiment de dater les éléments, et il aurait 3200 ans. Daiyosugi, donc celui-là juste ici, ça veut dire gros roi, et pour le coup il fait environ 11 mètres de circonférence contre environ 16 mètres de circonférence pour le Jumonsugi. Ça va être énorme, j'ai hâte de voir ça, et voilà, c'est magnifique. Ah, il est là. Jumonsugi, un des arbres les plus vieux du monde, est juste ici. Chaman-san, otsukare-sama. Tsuitayo. It was rediscovered in 1966 by Mr. Iwagawa Teiji, who was working in the tourism section of the Yakushima town.
Voici enfin le Jumonsugi. Il fait 5 mètres de large pour 25 mètres de haut. C'est un titan. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais je peux vous garantir que vu d'ici, c'est énorme. J'ai jamais vu un arbre aussi gros que ça, c'est pas compliqué. Et je pense que peu de gens en ont vu des aussi gros parce que vraiment, c'est très 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 rare quoi. Et donc je le rappelle, si cet arbre peut avoir cet âge, eh bien c'est dû aux propriétés un petit peu spéciales de cette île Yakushima, donc qui leur permet de vieillir très 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 lentement et ainsi atteindre des âges millénaires comme celui-là. C'est fascinant en vrai. Cet arbre, le Jumonsugi, c'est vraiment une relique de l'humanité. Il faut le préserver à tout prix et c'est ce que les gens font ici. Hein. Vraiment, ils sont hyper soigneux au niveau de l'environnement et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut prendre exemple pour un petit peu tout. Après avoir découvert le Jumonsugi, on a pu faire une expérience vraiment incroyable. En fait, le guide nous a concocté un petit repas qu'on a mangé dans une hutte où il y a vraiment juste le strict minimum pour pouvoir dormir justement et s'abriter. Alors le repas, c'était un abe, c'est vraiment un plat traditionnel japonais, c'était super bon. Et juste après, on est allé se coucher très tôt pour pouvoir se lever également très tôt. On s'est levé à 4h30 et ensuite, on est allé de nouveau voir le Jumonsugi au petit matin à 5h pour voir le lever de soleil sur ce fameux arbre millénaire et c'était vraiment magnifique. Donc une fois de plus, merci pour cette expérience incroyable. J'espère vraiment avoir l'occasion de pouvoir refaire des trucs comme ça. J'espère que vous avez aimé découvrir le Jumonsugi et pourquoi les cèdres japonais ou les arbres d'ailleurs dans le monde entier peuvent vivre des milliers d'années. J'espère que ça vous aura plu. C'était fascinant comme voyage avec le guide et Saki qui nous ont vraiment tout bien expliqué de A à Z. Merci encore aux sponsors de cette vidéo, Revolut. Sans eux, on n'aurait pas pu venir ici. Ça fait plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. La science n'attend pas. Ciao !